Mesdames et messieurs, toujours un plaisir pour nous avec vous. Chaque fois, il est important pour nous capables de traiter quelqu'un sujet de droit. Eh bien, nous souhaitons bienvenue dans l'espace qui est l'espace de droit, côté nous inviter toute une série de personnalités viennent traiter avec nous quelqu'un question qui a un rapport avec le droit, avec la justice et avec quelqu'un thématique souvent nous à utiliser dans la société. Ça. Je ne j'en dis, j'en ai toujours dit, la responsabilité pas nous, c'est pour nous poser des problèmes dans toutes les dimensions que nous avons posées. Éviter pour gagner des problèmes et pour ça capable arriver fait, il faut que les gens soient qualifiés, les gens soient compétents, les gens qui sont dans le domaine. Moun ki genyen sa m kapab rele yon expérience nan domaine droit, nan domaine justice, nan domaine magistrature, moun ki a exercé profession sa, c'est eux même nous invité vinn parler avec nous. Ki rôle nous nan espace sa sou Télé Guinée? C'est pour nous rive alimenter débat en dans société. Ce n'est pas des débats qui ont fait problème, c'est plutôt des débats qui ont suscité des réflexions dans la société. Côté vous-même, vous avez la parole, moi-même, j'ai la parole, l'autre là, tout le monde a la parole, et comme ça, débat ça, c'est un débat d'idées. Il y a un débat qui a fait pour nous capables de faire science juridique là, avancer. Pour nous capables de faire des gens qui la caillent, qui suivent nous, qui comprennent une série de points de droit que nous n'avons pas habitué à utiliser. C'est pour nous capables de permettre à chaque monde qui a suivi l'émission ça, de tirer un profit. Pour nous connaître ça, le café, ça, le pas de droit fait. Et pour nous connaître tout côté droit lié, côté devoir lié, pour nous connaître qui ça, il y aurait l'état de droit, qui ça, il y aurait une société qui a fonctionné. Quel type d'exigence vous faites à chaque citoyen dans la société pour être capable de prendre responsabilité, éviter pour ne pas être collimateur de la justice, pour la justice ne pas poursuivre parce que les transgresser un principe de droit. Eh bien, pour nous qui faire travail ça, nous ne pas faire pour compte nous. Nous avons la science infuse, nous ne pouvons pas compter tout dossier. Nous inviter plusieurs autres monde. Dépendamment de position dans le système, non, pour être capable de comprendre exactement ce qu'a pris le gars. Aujourd'hui, nous avons comme invité Maître Franz Monclerc. Maître Franz Monclerc, c'est un magistrat du parquet. Maître Franz Monclerc, c'est un professeur. Nous invitons pour venir parler avec nous, traiter avec nous. Mais sur qui ça? Il dit nous, qui rôle la justice de jouer en dans une société démocratique. Avec ce sujet ça, nous pensons que ou va gagner pile bagaille ou même et pour poter venir comme point de vue pao en dans émission ça. Maître Franz Monclerc, nous saluons et nous disons bienvenue et bonne participation dans émission Espace de droit sous Télé Guinée jeune aujourd'hui. Merci, Maître Lemoine. Nous saluons tout Maître Lemoine et nous avons profité de l'occasion pour nous saluer aimables téléspectateurs qui ont même branché dans l'émission Espace du droit. Nous allons essayer, dans la mesure de nos possibilités, débattre de cette épineuse et prestigieuse thématique droit et la justice, droit et société. Et merci. Et Maître Monclerc, eh bien, nous ne pouvons même prendre temps. Lagué sous causé rapidement. Je vous l'ai dit,
tout le monde est capable de faire radiographie système non, tout le monde est capable de passer société à tout à la loupe et nous capable ouais ça qui dominait société haïtienne fondamentalement. Chaque haïtien, chaque haïtienne, chaque citoyen gagne un rôle pour jouer. Maître Monclair, dis-nous qui rôle la justice gagne dans une société selon vous. Merci, Maître Lemoine. Pour nous répondre à une question, il faut que nous fassions une petite approche théorique de qui ça la justice là, qui ça doit aller et qui ça société aille. D'abord, nous allons essayer de faire un petit rapprochement entre deux premières thématiques, droit et société. Alors, il faut dire que droit, au monde qui a fait sciences juridiques, au monde qui est dans sciences sociales, un citoyen tout court, l'État supposé comprendre qui ça nous entend par droit. Alors, dit droit, ouais, c'est un corps de règles qui est applicable à des individus qui vivent dans une société. Et corps de règles, il y a pour finalité pour harmoniser relation moun ka vivant dans société. Moi même toujours prend dernier et thème ça la vocation du droit c'est pas de punir. D'abord la vocation du droit c'est d'harmoniser les relations. Vous allez voir que même lorsqu'on moun commet un crime yo condamné li société a, ou bien l'état qui applique peine li pas fait parce que le raï moun nan. Li fait d'un côté pour rendre justice à moun ki victime nan, mais d'un autre côté pour réinsérer moun sa qui te commet forfait ça de telle sorte que les fin plus peine pour capable réinvestir tête dans société a pour gagner chance pour venir un meilleur citoyen. Donc de ce point de vue, il est très important pour nous comprendre que tant vaudra la société, tant vaudra le droit puisque le droit est par nature un fait social. Le droit découle de la société. Ou pas capable de gagner une société qui est malade pour penser droit à lui-même, l'État porté en bonne santé. En général, droit, c'est thermomètre qui permet d'évaluer la tension sociétale. Maintenant, si nous parlons de droit, nous approche technique. Si nous faisons technicalité du droit, nous allons parler de la justice. L'application du droit. Et nous connaissons que la Bible dit que la justice élève une nation. Par une société qui a aspiré au progrès, au bonheur, qui est capable de permettre d'espérer un avenir s'il n'est pas fait de la justice priorité. Et moi-même, mal plus loin pour me dire, puisque moi, je suis un monde quand même qui a des connaissances spirituel, moi je vous dis que la justice s'applique toujours. S'il n'est pas appliqué par l'autorité qu'il a pour appliquer, il y a l'autre autorité qui a sorti dans l'autre société, dans l'autre État qui a venu appliquer le bout. S'il n'est pas appliqué ici-bas, il n'a pas appliqué dans l'au-delà. Son principe immuable et naturel, la justice. La justice rétablit l'équilibre entre les choses et les gens. Son équilibre naturel. C'est comme la justice li en de nature, là, li en de chaque action que nous avons posée. Si vous mangez trop, vous avez une digestion parce que vous transgressez une loi naturelle de l'organisme. Il en est de même pour le corps social. Là. Nous avons plusieurs auteurs qui parlementaient sur la question. Nous avons Thomas Hobbes, nous avons John Locke, nous avons Jean-Jacques Rousseau. Yo chaque conception par du droit. Mais au final, nous devons, nous-mêmes qui là pour faire appliquer la justice, là, nous devons comprendre que la question de la justice, c'est une question fondamentale. Que ouvre le développement économique, ouvre le développement social, il faut le passer par la justice. Merci, Maître Monclair. Moins tendez développement fait sous question et moins estimer que et approche théorique
approche technique ou fait de droit et de la justice, permettre que nous capables poser l'autre question. Nous comprendrons bien que y a un citoyen qui a vivant dans la société, il gagne des droits, il gagne des devoirs. Ça n'importe et monde qu'on rencontre dans la rue, il est capable de faire une affirmation ça. Autant qu'on a des droits, autant qu'on a des devoirs. Mais qui rôle institution républicaine face avec devoir ça et droit ça? Eh bien, on va permettre de rentrer avec deux concepts qui sont fondamentaux en matière de toute théorie concernant le droit. C'est le concept de droit objectif et de droit subjectif. Et le droit objectif, c'est l'ensemble des règles qui s'imposent à l'individu et qui s'appliquent par la puissance publique. C'est pourquoi dire le droit objectif est contraignant. Par exemple, si nous prenons le droit pénal, si nous prenons le droit fiscal, donc le droit objectif s'impose à l'individu. Mais par opposition au droit objectif, il y a les droits subjectifs. Les droits subjectifs se présentent comme un privilège associé à la personne de l'individu et qui protège cet individu contre les éventuels abus de l'État. Dans cette perspective, on peut parler des droits de l'homme. Les droits de l'homme, justement, font partie des droits subjectifs, c'est-à-dire des droits qui se présentent comme un bouclier pour protéger l'individu contre les éventuels abus de l'autorité. Nous connaissons Montesquieu dit, tout homme qui a du pouvoir est tenté d'en abuser, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Par exemple, pour téléspectateurs, pour illustrer deux concepts, droit objectif, droit subjectif. On dit que la police, commissaire gouvernement, débarque la CAO, il vient fouiller la CAO. Le commissaire gouvernement, les membres de la police, ils agissent en fonction du droit objectif, de ce pouvoir régalien qu'ils ont. Mais ou même comme citoyen, aucun droit dit ni commissaire gouvernement, ni la police, vous ne pouvez pas entrer la CAO si vous n'avez pas gagné présence qu'on juge de paix. Ça, c'est le droit subjectif qui vous protège comme citoyen contre les éventuels abus de l'autorité de l'État. Donc, pour parler de société de droit, il faut un équilibre entre ces deux concepts, le droit objectif et le droit subjectif. Merci. Et moi, je pense que j'en parle là de et droit, n'a pas rentré toujours en dans société. Hein? Et nous pourrions faire un travail pour nous comprendre ça. Nous pourrions diagnostiquer le système. Et nous pourrions chercher qu'on est. Qui ça qui gagne en dans le système comme problème qui empêche que le monde vive en harmonie avec l'autre? Mette mon clair, société en général, je ne vais pas parler de société haïtienne, mais non, les sociétés, depuis la nuit des temps, sont traversées par des conflits. Conflits de toute nature. Et conflits, ça a eu leur arrivée, ou souvent, gagner l'État qui a joué un rôle dans la société. Mais le citoyen ordinaire, ou des groupes sociaux organisés, ils ont même tout. Ils ont un rôle payé pour empêcher que la société a éclaté. Ce n'est pas parce qu'il y a un conflit dans la société pour nous quitter la société a éclaté. Il y a toujours un conflit, parce qu'il y a toujours une divergence d'intérêts, il y a toujours un conflit, mais il faut gagner un côté pour nous dire que halte là, ça y allait trop loin, et la société a, même s'il est déchiré, il faut le recoudre. Maître Montclair, dans une réflexion académique comme professeur de droit, comme magistrat, comment ouais, en dépit du fait que gagnent des conflits internes, c'est-à-dire entre Haïtiens et Haïtiens, comment pour nous empêcher que la société allait éclater? Maître Lemoine, vous posez une question qui est très sérieuse, très actuelle. Alors, m'a fait une approche sociologique qui vous dit que la crise est un indicateur de changement. C'est-à-dire, c'est vrai que nous avons une société en pleine crise,
crise sociale, crise économique, crise politique, et qui t'a capable des fois à la mes citoyens ordinaires là, et qui t'a même fait venir gagner une forme de fatalisme que le développé pays ça pas bon, faut me quitter pays à mal de l'autre côté. M'a dit que la crise est un indicateur de changement en sociologie. Donc si la société est en crise, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'être changé. Peut-être que le commun des mortels n'est pas suffisamment outillé du point de vue académique pour lui faire résoudre ça. Mais la crise en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, l'homme, par nature, lui toujours agit en interaction avec semblable. Il a eu que dans l'interaction, ça y est, qu'on gagne des conflits d'intérêts qui menaient justement à des conflits pour la plupart violents. Mais il appartient à l'État, il appartient aux groupes organisés, c'est-à-dire la société civile, pour eux-mêmes, ils mettaient des mécanismes en branle pour capable la société à voir que l'idée doit suivre. Là, nous prenons par exemple le pays, les Haïtiens. Haïtiens par nature, Haïtiens pas violents. Haïtiens pas violents. Lorsqu'il y a des problèmes économiques haïtiens, haïtiens pas violents. Il arrive que c'est une frange de la population qui développe en dehors de toute vigilance de l'État, en plus, monde c'est eux qui fait tête pour quoi, ils ont présence de l'État qui pas là. Eh bien, monde ça a une tendance pour errer vers la mauvaise voie. Mais et toujours est-il, il y a de l'espoir tant que il y a quand même des hommes qui pendent dans ce pays, il y a quand même mettre le moine qui là, il y a moi-même qui là, il y a tant d'autres monde qui là. Donc il faut que nous réunis pour nous entendre nous sur ça qui commun à nous tous, parce que en dehors de divergences d'idées que nous avons un bagage qui commun entre nous, et ça commun entre nous, c'est Haïti, c'est les mêmes qui commun entre nous. Donc il faut nous mettre nous ensemble pour nous faire un dépassement de soi, pour nous capables de quitter un meilleur avenir pour tout le monde qui va venir. Moi, je pense que dans le moment ça même, dans le palais, il y a gagné des situations de tension qui annoncées. Je pense que pendant qu'on parle là, ou même comme citoyen haïtien, moi-même comme citoyen haïtien, yon l'autre comme citoyenne haïtienne, n'a gardé en dans société des phénomènes que nous pas connaît hier, que nous connaît journée aujourd'hui. Il y a des faits que nous regretté chaque jour dans société. Et très souvent, nous gardé, nous voyons que nous avons tendance à prendre une série de bagages qui passent dans la société comme normal. Nous-mêmes, nous refusons quoi normal. Au contraire, nous sommes là pour nous dénoncer, yo, dénoncer ce qui fait mal là, pour nous capables de faire que le pays a une chance. Maître Franz Moncler, si nous parlons de société, je vous dis, il faut nous parler d'un ensemble de règles qui régit le fonctionnement de toute société. Dès lors que nous parlons de règles qui régit le fonctionnement des sociétés, il faut nous parler tout de applicabilité règles ça yo. Et il faut nous faire mention tout de institutions qui l'a pour fait règles ça yo appliquer. Inversement proportionnel, le règles ça yo yo pas respecté ou tomber dans une situation de crise, de déboire, de déchirement, de problèmes de toutes sortes qui créaient des tensions en dans société qui fait que personne monde pas capable gérer ça qui a passé. Question maintenant qui fait me faire approche ça, question maintenant c'est pour demander mettre mon clair. Comment pour nous arriver conscientiser chaque citoyen séparément pour le connaître que problème société a concerné au premier chef et il est de son devoir de contribuer à résoudre ces problèmes. Première approche là, c'est l'école.
faudrait-il que nous redéfinissions la finalité de l'école haïtienne? Parce que je vous dis, il y a des gens qui comprennent que l'école, c'est classe-là, c'est banyo, c'est chaise-yo, c'est professeur, c'est élève. L'école-là, c'est plus que ça. L'école-là, c'est, nous avons dit, c'est qui gère la société à lui-même définit tête-là. Et suivant, j'ai la société à député, suivant la priorité que la société a baillé tête li. Et que là, l'école là, pral, moule Timounio de telle sorte que pour Timounio, pour le transfert Timounio, les idéaux majeurs de la société, pour Timounio qui a reproduit l'idéal Zayo pour nous venir une société. Nous gagner. Écoutez, ce que nous avons là comme déliquescence de la société, c'est l'échec de l'école. Nous ne pouvons pas prendre responsabilité. Moi, je suis professeur. Donc, à chaque fois qu'on bagaille, côté que société a perdu tout repère, il faut m'accuser tête moi d'abord comme professeur pour me dire tête moi qui ça me bat faire, qui expliquer que situation ça là je dis j'en lié à. Faut directeur l'école accuser tête pour dire qui ça nous bat faire qui fait situation ça arrivé là jusqu'à ce que nous arrivions sur les plus hautes autorités de l'État. Deuxièmement, nous gagnons les masses médias. Mais masses médias, la presse, ils sont capables de contribuer pour aider la société à prendre conscience de qui ça nous était dans le temps et qui ça nous est aujourd'hui. Et pour qui ça fait nous faire bac ça que nous fait là. Donc, c'est une conscience patriotique, citoyenne, qui pour toucher, je sais pas, les notables. Parce que nous, longtemps, nous sommes d'après les notables aujourd'hui. On dirait que les notables n'existent plus, ou peut-être que la société n'a pas fait appel à notables. Dans les églises, l'église a un rôle pour jouer dans la nouvelle socialisation. Ça. L'école a un rôle pour jouer. Péristyle a un rôle pour jouer. Les sept mystiques ont un rôle pour jouer. Parce que le pays, c'est pour nous lier, ce n'est pas le pays par monde n'a fait, c'est le pays nous a fait. Il faut que la société civile là, définit la tête par rapport à la mission. Qui s'est fait pression sur l'État. Parce que moi, je dis toujours ça. Il est toujours facile pour accuser l'État de ce que l'État n'a pas fait ça, n'a pas fait ça. Mais je pense que l'État important dans l'orientation pour en société, mais ce groupe organisé aussi important parce que eux-mêmes là pour faire pression sur l'État. Et assez souvent, c'est moi qui sont dans le groupe organisé qui va composer personnel dirigeant l'État. Donc si nous-mêmes, au niveau de groupes organisés, nous-mêmes qui sommes leaders, des leaders naturels, nous ne pas prendre conscience pour nous quitter de côté différents que nous gagnons, pour nous embrasser la cause nationale, là, c'est que Pita Capitrice. Eh bien, et maintenant clair, nous souvent entendons et mon abdi, il a parlé de force vive société. Vous souvent entendez tout, nous avons parlé de l'avenir du pays à reposer sur deux jeunesses. Le nous prend taille population, journée aujourd'hui, en salié. Et nous prend tout une situation qui vient plus grave dernier jour, dernier moment, c'est que jeunesse a parlé à l'avenir du pays à sous deux. Eh bien, jeunesse ça a cherché un côté pour l'aller. Jeunesse ça a cherché un côté pour l'aller. Ça qu'a aller, ça pas qu'a aller. Yo gagne yon chanson qui c'est parler pays à mal. Et puis yo fait yo comporté yo pour la plupart tant que étranger qui a vivre bon ici. Comment d'après vous même pour nous rebailler jeunesse ça confiance au regard du droit. Oubliez non, nous avons un espace de droit. Nous voulons parler de droit chaque monde, mais il faut que nous parlions tout de devoir chaque monde bientôt envers la société, envers le pays. Bon, ma réponse de manière générale et à titre personnel. Moi, je crois que la meilleure pédagogie, c'est la pédagogie de l'exemple. Moi-même, comme magistrat, moi, efforcé tête, moi, pour moi, respecter fidèlement ces mains que je t'ai prêtées, qui étaient pour me contribuer à la dispensation de la justice
sans aucune considération, aucune. Côté blanc, côté noir, côté bien pauvre, côté bien pauvre, côté pauvre, côté pauvre, eh bien, je contribue de telle sorte que justice soit rendue à qui justice est due. C'est là chaque monde prend responsabilité pour faire ça ou bien pour faire gens pour bien pour faire. Et c'est là ça pays après le marché. Parce que en général, monde qui dans jeunesse là lui-même, l'esprit l'antigen fébrile. L'a regarder qui ça moi-même m'a fait. L'ancien magistrat ou pas ou bon comportement de délinquant. L'ancien avocat client pas qu'à faire confiance parce que les plus connants ou un monde qui vient voler ça vous aider que un monde cap aider droit appliqué qui mode société pour gagner. Donc nous mêmes qui sommes des hommes de droit, nous avons grande responsabilité, oui. Si pays a état ça, faut nous faire santarer les autocritiques tête nous pour nous dire nous mêmes dans la justice là, que ce soit les magistrats, que ce soit les avocats, que ce soit les notaires, que ce soit les rapporteurs, il faut nous faire autocritique par nous. Nous ne pouvons pas dire que nous avons un pays à charger un problème là-dedans, nous n'avons pas gagné de monde, nous volé de monde. Mais qui est-ce qui vole de monde? Qui ça moi-même moi fait ou même pas fait comme magistrat, comme notaire, comme rapporteur, qui fait bagarre à l'arrivée là? Faut nous. Si nous avons un pays là, tout le monde a couru de l'argent, tout le monde a besoin de riche. Mais il n'y a pas que l'argent qui puisse vous conduire vers le bonheur et la félicité. Mais il y a aussi la réputation. Moi, je crois dans la réputation moi-même. On a besoin de l'argent pour vivre. Mais l'argent seulement pas qu'à définir qui est où il est. Parce que je n'ai pas besoin de définir tout le monde. Moi, je connais Maître Lemoine. J'ai pratiqué Maître Lemoine au parquet de Mirbalais pendant 3 ans. Je le connais. Et si je ne connais que son monde de réputation douteuse, je me suis à côté de là. Donc, moi-même, je n'ai pas besoin de demander tête, moi, qui j'en l'autre mon a fonctionné, est-ce que vous même, est-ce que vous corrompu, est-ce que vous pas corrompu, moi-même, je fais ça mieux pour me faire. Et là, nous, chaque décide de faire ça mieux pour me faire, ou après, pays, nous avons l'autre message. Nous-mêmes qui dans la justice, là, nous avons un message pour nous voir. Faut nous mettre justiciable en confiance. Faut nous connaître, l'elle vient devant le bureau, tel juge, tel magistrat, les connaît que c'est devant moun qui gagne un minimum d'honnêteté. Mais s'il connaît son corrompu, notarié, patenté, il connaît sa coble pour venir acheter justice là, il n'y a pas qu'à quoi dans la justice là. Et s'il n'y a pas quoi dans la justice là, vous pensez que la loi a un sens pour lui? La loi n'a pas un sens pour lui, puisque vous connaissez la coble pour gagner pour l'acheter. Donc à partir de ce moment, moi je pense que nous-mêmes dans la justice là, la justice là, c'est nous-mêmes qui ces derniers remparts là. Il faut nous comprendre que nous avons une responsabilité par rapport à tête nous. On responsabilité par rapport à la jeunesse là pour nous voir un autre message pour une génération ça nous-mêmes nous voulons travailler et premier signe n'a voyez n'a travaille comme de serviteurs de la justice et non comme des juisseurs. On nous parle qu'on y a de questions d'éthique, de moralité. On nous parle qu'on y a là de questions de dignité et d'équité en dans justice là. Chaque fois que, pour nous parler de dignité, d'équité, pour nous parler tout de l'autre cause qui a rapport avec ça nous capable de relayer l'éthique professionnelle, déontologie professionnelle. Chaque fois qu'on a parlé de magistrat, chaque fois qu'on a parlé de monde qui l'a pour yo rendre justice. Et chaque fois qu'on a parlé de acteurs qui sont dans le système judiciaire, qui gagnent un rôle par eux respectivement, chaque monde qui joue, eh bien, nous devons aller en face responsabilité nous pour nous dire tout le monde qui ça ou même ou fait, qui sont manqués fait, qui sont pas jamais fait, côté de fait. Nous proposons la publicité, mettre mon clair, nous tournons tout de suite avec genre de questions qui gagnent un rôle avec. Éthique et au magistrat. À tout à l'heure.
Après le ou suivant espace de droit sur Téléguinée avec comme invité Maître Franz Montclair, qui est un magistrat parquetier, un professeur de droit avec lui n'a pas gardé rôle la justice dans la société. Dernière question que nous avons posée, l'avant-pose là, c'est une question qui a eu avec l'éthique, avec un protocole. Ça, nous relè dignité yon magistrat, dignité yon homme de loi, ça nous relè règles d'éthique et pour tout le monde capable de respecter. Eh bien, mettre la fête sur nous tout à l'heure là, meilleure et formule qui gagne, c'est le ou capable prêcher par l'exemple. Mettre Montclair, d'arriver à répondre à une question ça pour moi, et question d'éthique. Question d'équité, de loyauté, de moralité en dans société, notamment car des professionnels du droit, tant que moi avec vous. Maître Moine, vous posez, vous avez dit, vrai problème qui a rongé la justice, qui a rongé la société haïtienne. Et bien, c'est une question ça, l'ici prioritaire. Que barreau yo ta doit approprier de question ça dans formation stagiaire yo question ça prioritaire au point que nda di l'école de la magistrature dans formation magistrat ta doit approprier de question ça société en général ta doit approprier de question ça. Vous savez, le magistrat, qu'il soit magistrat debout ou assis, il respire d'honnêteté. Et on me dit il respire d'honnêteté, mais c'est au conditionnel pour me mettre lui. Il est inconcevable que vous soyez magistrat et que vous ne soyez pas un modèle d'honnêteté. Il est inconcevable pour magistrat et que ou pas gain dignité. Maintenant, d'ailleurs, que si deux concepts ça yo ou dépouillé de yo, vous pouvez exercer la fonction de magistrat, mais vous n'êtes pas un magistrat. C'est pourquoi quand le justiciable vous appelle « honorable magistrat », maintenant, quand vous parlez, les comptes qui la personne en bêtise à honorable magistrat et qui le savent les bagages pour lui. Parce que c'est si vous faites chose pour un copain dans le mail là, pour te faire des bagages pour lui, et puis vous êtes dans le bureau, vous êtes honorable magistrat. Ni vous-même, ni lui-même, nous connaissons dans la bêtise, nous n'avons pas passé l'autre. Mais lorsque vous intégrez à tête tout, même lorsque. Parce que la société haïtienne n'a pas fait de publicité pour les gens honnêtes, non? Plus vous êtes honnête dans ce pays, plus vous représentez un danger. Parce qu'on vous dit, on vous le dit ouvertement, oui. Et parce que vous êtes un magistrat honnête, vous ne parlez-t-il moins? Vous parlez-t-il moins? Et moi, je me plais à dire que, dans mes réflexions, en Haïti, on vous récompense pour le mal que tu peux faire. C'est grave. Mais vous ne serez pas récompensé pour le bien que tu as fait. C'est grave, ça me dit là. Mais, quel que soit le cas de figure, vous avez prêté serment de servir une population, de contribuer à la dispensation de la justice, que vous soyez compris, que vous ne soyez pas incompris, à l'histoire d'un jugé, soyez un digne magistrat. Vous savez, on ne parlera pas de vous en public, mais on parlera de vous en privé. Moi-même, je suis magistrat, ça fait déjà 6 ans. Je ne sais pas combien de temps j'étais encore. Ce qui est essentiel pour moi, c'est cette fierté personnelle quand mes enfants, mes petits-enfants, auront à faire le décompte du passage de leur père dans la justice, je suis certain que il y a besoin de monde qui a dit qui est ce papa. Peu importe combien de corps qui était pour eux,
peut-être que je ne vais pas quitter rien pour lui. Mais au moins, le patrimoine immatériel, je vais quitter le pour lui. La réputation, la bonne réputation. Moi, je respire de dignité moi-même. En dehors de cela, je n'ai pas existé. Et là où les honorables magistrats, il faut me sentir que moi vole. Oui, vous méritez. Bien des collègues savent qu'ils n'ont pas droit à cet qualificatif. Moi-même, je pense que chaque côté de privé, moi, je pouvais sur la vie. Je ne vais pas prêcher, je ne vais pas avancer. Parce que le problème, c'est qu'il y a, il parle de l'autre barre. La Bible dit mon peuple meurt faute de connaissance. Quel est le monde qui peut être enlisé dans la corruption abjecte? Mais c'est faute de connaissance. Si on a déconné que son jeune garçon lié et que il y a un long parcours pour le faire, le pays aura besoin de moi dans 20 ans, dans 10 ans. Qu'est-ce qu'il va faire, non? Nous connaissons que il va pas payer notre magistrature là. Mais il n'y a pas besoin qu'un magistrat à quel côté tout nous. Par exemple, par exemple, aux États-Unis, on est qui magistrat? Nègre a traité une affaire de plusieurs millions de dollars. Mais nègre a lui-même qui machine la poule. Donc, ce n'est pas ça qui est important. Combien de cob m'a traité, combien de cob m'a traité, c'est qui ça m'a prêté seulement pour me faire. Si je trouve que y a bon moyen dans la magistrature, je vais quitter le mal faire business. Ou nous qui vient dans la magistrature, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas l'argent pour me motiver. Parce que ce n'est pas de l'argent là-dedans. Moi-même, je respire du respect quand je vais quelque part, je parle avec mes étudiants. Et que mes étudiants, ils ont gagné cette assurance que le professeur n'a pas de n'importe qui bagaille. Ça, c'est fierté PAM. Et je pense que ça vaut de l'or. Non seulement il vaut de l'or, et je pense que pendant ou même ou a bénéficié de bonne réputation, mais ou gagne tout, j'en ai dit tout à l'heure, et petit tout, yon jour, kap gagne pour bénéficier de même réputation ça, et entourage, environnement ambiant, ap gagne pour bénéficier le tout. Donc, moi-même, je pense que c'est le moment pour moi féliciter tout magistrat honnête, correct, tout magistrat qui kembe, yon recul par rapport avec Jean Société a li aprali en déliquescence. Mais, mettons clair, pendant nous parler de ça, ça n'a pas empêché que moi dit yo. Société a, tout Jean ouè li gen des compartiments là-dedans. Et, gen des moun ki kampe, carrément yo dit que bon, ici a, et sou pas riche ou pas arriver là, ou même sou pas et homme de couleur ou pas arriver là, ou même sou pas nèg grand l'esprit ou pas arriver là, ou même sou pas dans telle sphère politique ou pas arriver là, autant que société a la compartimenté, autant que société a la San Gabriel antagonisé, l'a antagonisé à quelque niveau, autant que problème li pa résoudre, parce que chaque monde rete nan ti univers par yo, chaque monde rete nan ti et logique par yo, mais yo pa fait logique et pays a, yo pa wè problème pays a. Le n'a pas de société de droit, n'a parlé de la justice, rôle de la justice, rôle acteur yo dans système nan. Première initiative bah, c'est pour nous prendre, c'est chercher une société à lui-même. Faire en sorte que le moi maintenant mon clair, bah, ouais, c'est un ennemi. Moi ouais, plutôt, c'est un concitoyen. Et si je me chaper là, pour éviter de tomber dans le trou. Mais ce n'est pas un monde qui a creusé le trou pour moins tomber là-dedans. Voilà pourquoi. Moi, j'invite toujours aujourd'hui, hein, non seulement comme magistrat, comme professeur, pour venir faire approche ça pour moi, comment, sous même question d'éthique, là, même question de protocole, un, pour yon homme de loi, rete un monde
de rectitude, d'équité, de droiture, et comment tout, parallèlement, pour même homme de loi, ça y est, à travers la justice, à prendre, à quelque niveau que ce soit, il y aura une justice qui met n'importe qui en confiance et qui fait personne moun pas peur justice pays. Oui, mais le moine dans l'exposé là, où tu parlais de société de droit. Et société de droit, état de droit, même dame, vous connaissez un peu conceptuel. En plus, femme, on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire, un état de droit. Un état de droit, son état, côté l'état lui-même, est un sujet de droit. C'est-à-dire, l'état lui-même est régi par la loi. L'État lui-même peut être obtempéré par le droit. Il y a assujetti au respect. Il y a assujetti au respect des droits. Au respect de... Donc maintenant, une fois que un fonctionnaire de l'État, à quelque titre que appartenant dans l'État, ou comprendre ça qu'on l'État de droit, ou à faire respect, ou à connaître que, certes, votre fonction vous donne des privilèges, mais c'est pour un chèque en blanc au barreau, toute personne est passée par devant les tribunaux, ou à faire attention. Donc, l'état de droit, c'est un état où l'état lui-même est un sujet de droit. L'état est passible par devant les tribunaux. Tout à fait. Donc, les représentants passagers de l'état ou les fonctionnaires eux-mêmes, certains ont certaines immunités pour l'exercice de leurs fonctions, mais ils n'ont pas d'immunité d'action en tant qu'individu. Tout individu est sujet de droit. Tout individu doit se plier aux prescrits du droit. Moi-même, je vous dis ça, comme magistrat, je ne peux pas être moins que justiciable. Pour qui ça? Si un justiciable a un problème, il peut porter plainte, et que moi, je traite plainte ça. Mais si mon problème, je ne vais pas directement, non, c'est devant le magistrat, je ne vais pas tout. Et parce que magistrat qui fait un cas, moi, justice, moi-même, non. Donc, je ne suis pas capable de juger parti à la fois. Donc, je fais plus de précautions pour me donner une altération. Parce que je me disais, je vais me une altération. En de la caille, moi, pinga que je vais, je ne pas comprendre que nous avons fait un magistrat, ou bien ma ou magistrat, papa ou magistrat, ou probablement que mon dégât, papa ou capé devant nous. Non? Ou à saisir que, me fait cause commune à mon encontre, oui. Parce que bon doit pas boire autour, non. Et pas parce que petit moyen pour m'aider entre nos chaînes d'impunité, non. Donc moi-même, c'est comme ça, moi-même, j'ai été levé. Moi, j'ai levé dans une famille qui a une approche avec moi, que m'a dit là, que mon n'était pas estimé pas de bon. Mon cher, j'ai été sanctionné pour toutes les petites erreurs que j'ai commises. À chaque fois, je commets une erreur aussi. Petit, je sanctionne. Ça vient de mon réflexe que, mon cher, à chaque fois que je fais une erreur, je vais chercher échappatoire, je vais chercher bouc émissaire. Je suis toujours responsabilisé moi, par rapport à l'erreur que je fais de telle sorte pour me reproduire encore. Oui. Donc, moi, je pense que c'est tout le monde qui embrasse la carrière de la magistrature. La magistrature, c'est un sacerdoce. Nous sommes des serviteurs. Même si travaillons à tort ou à raison, mal compris, nous devons continuer à servir le pays jusqu'à ce que nous avons dit déclic qui pour faire là. Les fait, parce que nous autres, les magistrats, pour la plupart, nous sommes aussi des enseignants. Donc, lorsque ou enseignant ou ces magistrats, donc élève la grande modèle, parce que il y a un gros problème pays, il y a un problème modèle. Si nous cherchons un modèle, mais le modèle que vous avez, il arrive que le modèle ça n'est pas bon. Mais est-ce que je vous dis, hein, nous gagnons toujours et des jeunes qui ont cherché le modèle? Oui. Je vous le dis moi-même sincèrement, j'ai des étudiants qui ont plagié le personnage, mon client là. D'accord. J'ai des étudiants qui épousaient. Et côté phénomène, acculturation, ça a sorti, qui fait que, je dis, je ne pas un jeune garçon qui a envie de sembler avec un série de... Le problème,
Le problème, c'est la question de l'école. Gonkou m'a pensé là actuellement, c'est l'histoire de la pensée haïtienne. Côté que ou a enseigné Timounio, une série de grands auteurs haïtiens que dans la littérature américaine, il n'y a pas oublié et que nous-mêmes n'avons projeté. Quand vous avez un homme, quand vous avez un pays qui a donné naissance à Émile Saint-Lô, à Anténor Firmin, il y a de quoi en être fier. Mais il arrive que les vrais modèles, ils ont caché lui pour qu'ils ne savent pas qu'on est. C'est la jouissance, c'est l'argent facile, il a fait jeunesse à courir derrière l'argent facile. Moi-même, j'ai cuisiné Maître Lemoine. Moi, je connais Maître Lemoine. Mais combien de monde qui prend la peine pour connaître? Et même tout dit ça, tout, et société a gagné. Pendant la société a posé problème, mais tout près solution, elle n'a pas cherché solution. Moi, je ne sais pas si je suis fait, non, pour me rencontrer, on est quelques frères chrétiens. Moi, je n'aime pas pour moi, je prends plusieurs petites minutes derrière pour la rue avant d'ouvrir moi. Frère chrétien, je n'ai pas arrêté là, demain 31, pour me mettre demain 31 tout, pour me parler là, frère chrétien. En fait, pas une génération spontanée. C'est ça, mettre dans le VA et l'OAP jeune. Donc, en nous, faire promotion pour bagarrer la caille, nous, sans que pourtant nous ne excluions pas vers l'extérieur. Nous avons été ouverts vers l'extérieur. Mais nous avons des valeurs. Les valeurs du terroir, fond météo, en exergue. Moi, je profite de l'occasion pour saluer mon ancien professeur, le docteur Sterling. Mais moi-même, je dis à côté de ma parole, voilà. Un peu docteur Sterling, un peu ma un professeur Jean-Robert Charles, un professeur Maître Termesi. Pendant que je n'ai pas fait, je suis un peu de temps qui pour mon tal dit Maître Termesi, maintenant qui ça me tombe, à qui figure m'a gardé encore. Mais c'est tout modèle ça qui pour faire qu'aucun bon ligne. On n'est pas honnête parce qu'on le veut. On est honnête parce qu'on a été placé sur la voie. Lorsque mon petit monde même dans discuter pour nous on pas dire mon cher brasser, ça veut dire brasser. On va le travail. Ouais. Les concepts, il y a des écarts, il y a des écarts de langage extra qui grave. Bon, au salut de deux grands professeurs, et M. Sterlin, qui est professeur de droit maîtrise, et M. Termesi, qui est un autre grand dans le système judiciaire que je salue. Mais M. Mouclair, en nous étant dans un point qui est sensible, parce que tout à l'heure, tu as parlé de l'État, et chaque fois que nous parlons de l'État, nous avons comme impression que nous, et voulez rentrer dans le débat, côté que la société a gagné, ou est nous-mêmes comme des mondes qui pas gagné les pieds sur terre. Si nous-mêmes nous connaissons que nous avons parlé en connaissance de cause, nous avons gardé nous qui doit penser que nous-mêmes nous avons extrapolé. À cela, je leur réponds que ce sont les fous qui ont fait le monde. Eh bien, bon, moi-même, je voulais dire que il y a des gens qui ont dit que l'État n'a pas existé. Et au regard du droit, en tant que magistrat, dans l'espace de droit, nous, là, je vous dis là, est-ce que vous êtes capable de dire que l'État n'a pas existé? Bon, là, nous allons faire une considération théorique sur l'État. Il y a Hegel, le philosophe Hegel, qui vous dit que l'État est une substance éthique consciente d'elle-même. Donc, l'État, par définition, est une fiction. Oui. C'est-à-dire que l'État n'a pas une matérialité en tant que concept. D'où la théorie de l'éternité de l'État. L'État s'exerce par le biais du pouvoir politique. On ne voit pas l'État, on voit le pouvoir politique. Et le pouvoir politique est exercé par ce qu'on appelle les titulaires passagers du pouvoir politique. Donc, lorsqu'on dit l'État, c'est une organisation. Donc, organisation, ça, de qui ça a posé, les composés de monde. Les gens qui sont sortis dans la société. Donc, si la société n'a pas organisé l'école, n'a pas organisé la famille, n'a pas organisé la religion de telle sorte que pour produire deux personnes patriotes, honnêtes, respectueux,
pour aller incorporer l'État ça. En retour, pour remettre la société à ça que c'était à Tébayo, n'a pas bien ça n'est là. Parce que les gens qui dirigent l'État, ils ne sont pas sortis dans le ciel. Ce n'est pas des extraterrestres. Ils sont des éléments de la société. Ils ont vivre toute aigreur, toute frustration de la société. Donc, la société a une prise de conscience pour le prendre. Et prise de conscience, ça n'est pas de l'autre côté pour le prendre, c'est à travers l'école là. En nous moyen valoriser professeur l'école. Parce que professeur l'école là, c'est le premier modèle que tout le monde a gagné. Et je parle avec deux trois étudiants dernièrement, je dis que qui ça fait le monde? C'est l'estime de soi. La première mission de l'école, c'est de monter le code d'estime de soi de l'élève. Parce que l'estime de soi, moi, je ne suis pas fait. Pour qu'on ait une question posée là, il y a tout un enchaînement. Et parce que moi, tout à l'heure, est-ce que c'est normal ou est-ce qu'on est d'accord, comme on a dit, pas que l'État? L'État existe. Moi, je connais que l'État existe. L'État existe. Parce que, ou est-ce qu'on a télégué dans la Konya là? Nous faisons une émission. Pendant m'inviter, mettre mon clair, eh bien, si moi, absorti télégué là, moi, connais très bien. Dès lors que je pile et barrière ça, je franchis barrière là, automatiquement, moi en face, responsabilité. Si je l'aime, je suis responsabilité de n'importe l'autre monde. Mais si je suis dehors, je m'en fasse responsabilité. Il y a des choses moins qu'à faire, il y a des choses moins pas qu'à faire. Il y a des choses moins qu'à autoriser, peut-être moins, il y a des choses pas qu'à autoriser. Mais je vais enchaîner pour Mando. Il y a des gens qui sont là pour travestir la vérité. Qui est ce monde qu'on a là comme leader moral qui t'a supposé là chaque fois que nous travestir la vérité? N'a biaisé la voie régulière. Chaque fois, n'a transgressé des principes. Qui est-ce qui est là qui pour ramener nous à la raison et ramener nous sur bonne voie? Bon, là, c'est une question relativement difficile dans la mesure où, pour la plupart, monde. Alors, j'étais dans une conférence et il y avait le docteur Gilles qui était pour un extrait d'un discours de Dumas Estimé pour le traduire à la haïtienne. Il était dit que si gardien de la maison, nous sommes les voleurs qui sont placés pour la piller, alors cette maison n'est plus gardée. Donc en général, les transgresseurs de la loi sont ceux-là qui sont placés pour faire respecter la loi. Maintenant, question pour nous recouvrir de la souveraineté morale, nous, je pense que chaque monde a un rôle pour jouer. Je pense que papa, qui est chef ménage là, le jour où il faillit à l'autorité morale, il n'est pas de monde qui a redressé. Et c'est là que nous avons mis la société à sous rail. Chef ménage là, c'est vrai, c'est mon papa. Mais le jour où nous transgressons les lois fondamentales qui régissent la morale familiale, je pense que c'est un garçon qui doit dire, papa, non, en raison de la morale, en raison de l'éthique, on ne va pas faire comme ça, papa. Et je pense que de même que Timonio doit honte pour ne pas faire n'importe qui bagaille par rapport à des considérations bien pour eux, nous-mêmes, tout, il faut apprendre honte Timonio pour ne pas faire n'importe qui bagaille. Entièrement d'accord. Et moi, cette jeunesse-là, de pour responsabilité, pour demander papa, explication sur telle responsabilité ou de gain. C'est ça, lui. C'est là, c'est le recouvrement de la souveraineté morale de ce pays. Il faut le faire. Et pour le faire, pas gain l'âge pour faire. Pas gain l'âge pour faire. Toutes les générations doivent se mettre ensemble pour le recouvrement de la morale nationale. Pour la souveraineté morale nationale. Est-ce que nous gagnons tout et les gens s'abdéoulent dans le pays
Est-ce que, d'après vous-même, tout secteur en vie ou est situation a changé dans le bon sens dans le pays? Cette question, ça me parle, voilà, pose là très subjective. Bon, les objectifs, comme même question, même parce que des rationaliser. Moun, non, même parce que des monde en dans société a, ignorance peuple là bon bouyo. Bon, moi, et je pense que misère peuple là bon bouyo. Je pense que des monde dans société a, situation pays a bon bouyo. Mais bon, écoutez, ça, je suis écoutez, bon, contextualiser maintenant pour me poser une question. Est-ce que d'après vous-même, vous pas pensez que rôle l'État au regard du droit toujours là, c'est pour permettre que chaque monde dans la société, j'en ai dit tout à l'heure, yo en face responsabilité par yo, pour yo permettre que toute bagaille aille bien sans que pas gagner au monde qui chita, cap tan, cap gade, sans la fin. Je veux que chaque monde mette bien en patte là pour faire de société une société côté li bon pour monde vivre. Bon, moi, je pense que ça, c'est peut-être un point de vue. Moi, je pense que tous les groupes sociopolitiques qui ont rivalisé entre eux, moi, je crois qu'au plus profond de eux-mêmes, ils ont aimé le pays à changer. Peut-être qu'ils ont divergé sur la méthodologie. Et je crois que c'est Einstein qui disait ça, un problème bien posé est un problème à moitié résolu. Je crois que, quel que soit le groupe social, politique, économique, là, en dehors de l'intérêt clanique que vous gagnez, vous avez un intérêt commun qui est Haïti. Vous n'avez pas entendu sous méthode là. Vous n'avez pas entendu sous méthode là aujourd'hui. Peut-être que demain, vous n'avez pas entendu sous méthode ça demain. Parce qu'il y a cette dicton qui dit que la politique unie, la politique désunie, la politique réunie. Mais en dehors du réel politique, il faut nous rentrer dans l'histoire nous, pour nous voir que de 1789 à 1804, il y avait des groupes rivaux au niveau de la colonie. Tout esclave n'a pas toujours le même projet. Le projet de l'indépendance viendra bien tard. Mais lorsque vous avez rendu compte que nous avons un intérêt commun, qui est la liberté générale, mais tout groupe, ça, à un certain moment de la durée, il pourrait mettre ensemble, sous le leadership de Jean-Jacques Dessalines, pour quitter le pays ça pour nous. Moi, je pense que il y a ce sursaut historique qui doit venir, et je suis très confiant, je suis très optimiste que... la guerre des Trois n'aura pas lieu, ça je suis sûr, la guerre des Trois n'aura pas lieu, parce que nous sommes très haïtiens, nous gagnons des bagailles qui soudent nous. Vous allez, pour conclure. Ok, nous autres haïtiens, nous avons des choses qui soudent nous, qui sont plus fort que divergence politique. Nous. Parce que maintenant, nous attendons, même si vous politiquement, moi-même avec le bon, nous pas rencontré, mon cher Bob Bomanti, 6 janvier, nous péristyle là ensemble, n'a pas dit ensemble. N'a pas côté quelqu'un. Donc, bagaille qui unit nous, il est plus fort que ça qui désunit. C'était avec vous, Maître Franz Amonclair, qui est un magistrat parquet, qui est un professeur de droit. Et nous t'invite aujourd'hui à là pour venir traiter avec nous le rôle de la justice dans la société, pour être capable de garder avec nous qui ça doit y aller, qui ça la justice là, qui ça que nous-mêmes n'avons réglé, qui rôle chaque acteur, qui ça qui gagne comme conséquence. Chaque fois que ou transgresser ou piétiner ou négliger sans gabriler un principe qu'on a supposé respecter. Nous comptons avec Maître Franz Amonclair. Merci en pile parce que tu as suivi. Maître Amonclair, merci. Patriotiquement vôtre. Merci. Et à très bientôt avec Maître Lemoine Gélin comme animateur Espace de droit sur Téléguinée. Au revoir. We'll be right back.
We'll be right back.